Salut à tous, alors aujourd'hui nous ne sommes pas le 1er avril, voilà, il fallait le préciser, et donc je vais vous parler de ce petit objet, voilà, qui nous vient de chez Rabdom Tactical Gear, qui fait des choses à taille humaine en général, et qui fait aussi ce genre de petite tactical mini veste dans différents coloris, voilà. Alors, donc il y a des shoulder pads, il y a un cummerbund ajustable, on peut y mettre y a des zones de scratch devant comme derrière, on peut y mettre des patchs, n'importe lesquels. On a des maules, système maule, une demi-size système maule, oui ça veut dire peut-être des maules deux fois plus petits que la normale. Voilà le dernier, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on va le retirer de son emballage. Et donc voilà, c'est une petite veste qui ressemble à une vraie veste tactique. Hein. Vous reconnaîtrez le design, dirons-nous. Tout est reproduit à l'identique, hein, vraiment, même l'intérieur, les surfaces. Hop. Tout est fonctionnel, elle est vraiment réglable. Voilà. Je l'ai mis à l'envers. Là, vous avez même une petite poignée, hein, au cas où, enfin, ce qui ressemblerait à la petite poignée au cas où vous tombez dans l'eau et vous avez besoin de la défaire rapidement. Et voilà. Donc, dans la suite, on va regarder dans un premier temps la taille par rapport à une vraie veste et on va voir aussi ce que l'on peut en faire. Donc, en termes de taille, voilà, vous pouvez voir un petit peu la différence entre cet article fait en nylon de très haute qualité et une Herba VSF, voilà. C'est un bébé veste. Maintenant qu'on a vu la taille, il faut savoir quoi faire avec. Donc en fait, cette veste, on peut l'utiliser avec différentes choses. On peut par exemple l'utiliser avec des petits objets du quotidien, ou même des grands, hein. Pas de jaloux de ce côté-là. Ou même sur des peluches. Miaou. Tu veux ma photo ? Miaou. Et même sans objet, ça marche, hein. Avec les bébés, par exemple. Bonjour les petits enfants ! Ah ! Voilà, donc au final, cet objet, donc je répète, on n'est pas le 1er avril, hein, ça existe vraiment. Donc c'est la définition même de l'inutile, donc l'indispensable, hein, pour vos apéritifs ou vos peluches ou même peut-être vos petits animaux, qui sait, ça peut être un élément décoratif très intéressant qui vous coûtera entre 10 et 15 euros et que vous pourrez trouver notamment sur eBay.